Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler des blessures émotionnelles. Que sont les blessures émotionnelles? Le concept des 5 blessures de l'âme. Eh bien, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et cela a initialement été mis en lumière dans les travaux de recherche d'un grand psychiatre américain, John Pierakos. Il a été le premier à les identifier, à les répertorier et à les observer, et surtout à faire le lien très important entre les blessures intérieures et l'apparence humaine. Ce sont de petits ou grands traumatismes, n'est-ce pas? Des expériences difficiles, douloureuses et parfois banales que nous avons vécues entre notre conception et l'âge de 6 ans environ, et qui ont laissé une forte empreinte qui nous fait surréagir lorsqu'elle se réveille en certaines situations. Ce sont en général, nos parents qui les ont involontairement, générés, mais eux-mêmes ont très souvent été blessés par leurs propres parents et ne font que reproduire ces schémas en toute inconscience. On ne doit pas leur en vouloir. Et cette chaîne de souffrance, blesse une génération après l'autre depuis les origines de l'humanité. En tous les cas, pour ma part, nous avons choisi nos parents avant de nous incarner. Pour différentes raisons, n'est-ce pas? Mais notamment parce qu'ils nous feront vivre certaines expériences diverses et variées, certaines difficiles, propres à réactiver ces blessures, ce qui est une première étape intéressante, n'est-ce pas? Pour les explorer et surtout pour les dépasser, pour les transcender, nous sommes revenus sur Terre pour transcender nos distorsions. Alors, si par exemple, dans vos différentes vies, vous aviez une blessure d'abandon, vous, c'est-à-dire votre âme, vous choisirez de vous réincarner dans une famille négligente, ou au moins avec des parents qui ne vous donneront pas toute l'affection et l'attention dont vous avez besoin pour vous construire. Ce faisant, vous vous trouverez dans les conditions idéales pour que cette blessure d'abandon se réveille à nouveau en vous, jusqu'à ce qu'un jour, vous décidiez de libérer ce rejet, cet abandon. Parce que vous allez être tellement fatigué de souffrir de cet abandon que vous allez travailler pour la libérer. Regardons maintenant les différentes blessures qui existent. Et pour cela, il peut être utile de noter les différentes caractéristiques des blessures qui résonnent en nous. Plus nous cernerons nos système, plus nous reprendrons pouvoir sur eux et plus ceux-ci perdront de leur puissance. Tout ça n'est pas facile, n'est-ce pas? Les blessures d'enfance représentent un sujet si vaste qu'un tome entier serait nécessaire pour parler d'une seule d'entre elles. Ici, je me contenterai
de vous donner une petite introduction de chaque blessure. Donc, il existe 5 grandes blessures. En 1, nous avons le rejet. En 2, l'abandon. En 3, l'humiliation. En 4, la trahison. Et en 5, l'injustice. En 1, la blessure de rejet, c'est la première. Elle survient entre le moment de la conception et la naissance. Elle touche les âmes qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne les a pas réellement désirées. Parmi les cas courants, eh bien, on trouve des bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades eh bien, pendant la grossesse. Et c'est ainsi que le rejeté va s'accrocher à cette fausse croyance « Je ne mérite pas la vie ». On imagine, n'est-ce pas, aisément, eh bien, quelle sorte d'existence se construira cette personne ayant cette conviction. C'est douloureux d'avoir cette conviction. Nous avons en deux la blessure d'abandon. Elle est générée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Elle frappe les enfants considérant, à tort ou à raison encore une fois, n'avoir pas reçu tout l'amour, toute l'affection et l'attention dont ils avaient besoin pour leur développement. Notons que les blessures d'enfance sont quelque chose de très subjectif, n'est-ce pas? Bien des parents dispensent à leur enfant toute leur affection et pourtant, dans l'âme, ces derniers considèrent finalement en avoir manqué. Les enfants voyant subitement arriver un petit frère ou une petite sœur peuvent être touchés par une blessure d'abandon. Tout comme les enfants ayant été séparés de leur mère dans les 24 premières heures suivant la naissance, comme cela existe encore à la maternité. Nous avons en 3 la blessure d'humiliation. Et elle apparaît entre 6 mois et 3 ans aussi, c'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener à plus d'autonomie apparaissent. L'enfant commence à vouloir manger seul, à marcher, etc. En fait, eh bien, il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa maman, avec qui il était jusque-là, en fusion, on peut le dire, hein. La blessure commence lorsque, dans ce parcours vers l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonctions n'ont pas été respectées. Alors, petit exemple, l'enfant commence à vouloir contrôler ses sphincters, mais il fait dans son pantalon et on le réprimande à cause de cela. Eh bien, cela me fait penser à une maman qui racontait toujours fièrement que son fils était propre à seulement 6 mois. Eh bien, cette maman l'avait contraint en l'habituant à faire ses besoins une fois sur son pot uniquement. Au bout du compte, et cette personne est la seule de notre famille à souffrir d'une blessure d'humiliation, et ce, car son rythme naturel d'enfant, eh bien, n'a tout simplement pas été respecté. On a en 4, la blessure de trahison. Elle apparaît entre 2 et 5 ans, l'étape où se développe le complexe d'Œdipe. À ce moment, l'enfant a une grande, grande confiance en ses parents et il s'estime parfois trahi à l'arrivée d'un petit frère.
lors d'abus sexuels ou d'actes de violence. Une promesse importante à ses yeux, eh bien non, n'ont pas été tenues. Cela peut aussi générer ce type de blessure. Et nous avons la cinquième, la dernière, la blessure d'injustice, et elle se crée entre 4 et 6 ans et touche des enfants qui considèrent, à tort ou à raison, encore une fois, qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes. À la naissance d'un petit frère, on leur a, par exemple, demandé de faire moins de bruit, de prendre moins de place qu'auparavant, d'être un exemple pour le nouvel arrivé ou de prendre trop de responsabilités. En résumé, trop peu de place a été laissée à leur individualité pour s'exprimer. Cette blessure peut également être le fait de parents contrôlants, entre parenthèses, qui font du chantage ou qui menacent leurs enfants. On en croise parfois dans les parcs de jeux. Un enfant qui est en train de s'amuser et soudain, il demande quelque chose ou se met à pleurer et ses parents répondent quelque chose comme « si tu n'arrêtes pas de pleurer, on s'en va. » Adultes, ces enfants risquent fortement d'avoir des problèmes avec le plaisir, lequel est au cœur de leur blessure. Tout ça n'est pas facile à transcender, ces 5 blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Eh bien voilà un petit résumé des 5 blessures émotionnelles. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour la deuxième semaine de ce mois de juin. Nous sommes lundi 12 juin 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous allons continuer avec guérir de ces blessures émotionnelles et on terminera avec le petit oracle de fées. Que la magie opère, n'est-ce pas, avec nos fées? Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien aujourd'hui j'ai pigé la souffrance. On souffre dans différents niveaux, à des différents niveaux, chacun d'entre nous. Peut-être ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vous parle. Lorsque des situations qui peuvent vous paraître difficiles ou douloureuses émergent dans votre vie, eh bien, il devient essentiel, n'est-ce pas, de faire la différence entre la douleur et la souffrance. En tant qu'être humain, il est inévitable d'être confronté à des situations douloureuses parce qu'on est dans l'émotionnel, n'est-ce pas? En revanche, la souffrance, elle peut être évitée. C'est en réalité une option. Elle peut disparaître grâce à un changement de perspective. La souffrance découle directement du jugement que vous portez sur les choses et les situations. Alors par exemple, c'est lorsque vous vous dites quelque chose comme « cet événement douloureux n'aurait pas dû m'arriver ». Mentalement et émotionnellement, vous vous braquez contre la situation et vous générez, de la souffrance en vous.
Elle arrive aussi à cause de votre résistance à vivre pleinement ce que la vie vous propose. Alors énergétiquement, vous vous contractez et dites non. Ben voilà, c'est non. Le changement de perspective tient dans le fait d'observer simplement tout ce qui surgit pour ce que c'est et vous demander comment vous pouvez l'utiliser pour votre grande évolution et celle de la planète. Comment pouvez-vous vous détendre, écouler librement avec vos soucis, avec vos difficultés et laisser la vie s'exprimer, vous guider à travers eux? Comment pouvez-vous vous détendre? Posez-vous cette question. Dans cette perspective, eh bien, peu importe ce qui surgit, vous êtes toujours gagnant. Il s'agit de quelque chose qui génère du plaisir ou de l'abondance. Vous en profitez pour grandir et le partager en contribuant. Si cela, eh bien, ressemble davantage à un défi qui génère de la douleur, n'est-ce pas ? Cela vous donne l'occasion parfaite de relever le défi en grandissant, en apprenant à trouver, eh bien, une façon différente de faire les choses, afin d'évoluer davantage ou de contribuer. Quoi qu'il arrive dans ma vie, eh bien, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Alors dites-vous ça et répétez ça 3 fois. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Pourquoi? Mais parce que vous avez appris. Cette expérience, ben vous avez appris. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Donc, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Très beau message pour commencer, n'est-ce pas? On termine avec le petit oracle de la fée, des fées, que la magie opère, n'est-ce pas? La fée du cancer, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Eh bien, voilà un beau message aussi pour terminer ce message de ce lundi 12 juin. Je vous souhaite une excellente journée et puis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. On se retrouve demain et puis d'ici là, moi je vous embrasse. À demain.